Brady, merci d'être venu, mon grand. Tu connais la dernière? Il y a encore 40 combattants qui ont déserté depuis hier. Walker nous plombe avec sa propagande. Quand on aura trouvé d'où il aimait, je le buterai de mes propres mains. Doucement, Cookie, j'ai besoin de toi à l'atelier. Sans tes armes, on pourrait pas continuer à combattre. Juste pour tester mon dernier projet en conditions réelles. Désolé, Cookie, pas possible. Parrish, j'ai réussi! Le signal provient de cette position. Ok, Walker, il est temps d'arrêter ta comédie. C'est clairement en territoire de l'APC. Là, le vieux bâtiment radio WDED. Les petites ordures. Ok, Brady, tu vas y faire un tour. Tu trouves où Walker se planque et tu le descends. Attendez, une petite minute. Walker m'a sauvé la vie et c'est lui qui a lancé tout ça. Et là, vous voulez juste le tuer? Il nous a trahis. Il est devenu une arme de l'APC. Il devait pas trop avoir le choix. Ouais, mais nous non plus. Il faut mettre fin à ces transmissions. Je vais le sauver. Il peut réparer les dégâts qu'il a commis. Trop risqué. On n'a pas le droit de se planter. Je regrette, Brady. Mais il doit mourir. Non! C'est pas pour ça que je me suis enrôlé chez vous. On doit se montrer meilleur que ça. Je te préférais quand t'étais moins bavard. Bon, je vais te laisser une chance. Quoi? Et si tu y vas sans aide, et si tu échoues, on procède à ma façon. C'est compris? C'est vous qui décidez. Quoi? Vous êtes ramolli? Je lui laisse une chance. Mais prépare une équipe d'intervention. Je vais avoir besoin de bonnes armes à feu. Ah, Brady, vous voulez quelque chose? Je pars en mission pour sauver Parrish. J'ai besoin d'équipement. Bonne chance, Brady. C'est à tous ceux que j'ai tués. C'est trop dur pour moi. Voyez-vous, faut qu'on aille assister à l'équipe. Hé, Brady, évitez d'écouter la radio pour le moment. Walker refait des siennes. Je me dépêche. J'ai besoin d'un véhicule. Salut. J'ai besoin de cette moto. Bien sûr. Tout ce que vous voudrez, Brady. Vous partez en mission? Surveillez vos radios. Je vais bousculer la grille des programmes. Ok. Montrez-moi tout. Parrish nous a prévenu de votre visite. Je viens pour inspecter une station radio. Ok, je peux deviner de quoi il s'agit. Si j'étais vous, je prendrais une arbalète et je tâcherais de rester invisible. Il est temps qu'on fasse quelque chose pour ces diffusions. Ce qui s'est produit pour Walker, ça aurait pu arriver à n'importe qui ici. Les gens jugent sans réfléchir. Vous savez, Brady, je vous ai vu à Independence Hall, le jour où les dirigeables sont tombés. C'était dingue. On en bave depuis. Je sais qu'on piétine pour le moment, mais on trouvera un moyen d'avancer. Pas question de faire demi-tour.
Les forces de l'APC sont plus nombreuses que d'habitude par ici. Hey, Brady, je vous file un coup de main. Derrière cette porte, c'est le territoire de l'APC. Ok, on se revoit plus tard. Parrish, ici Brady. La station radio est droit devant. Ok, je persiste à croire que c'est une mauvaise idée, mais voyons ce qui nous attend. N'oubliez pas, si vous ne pouvez pas faire sortir Walker, je passe au plan B. Je la vois à Parrish. La WDED, comme Cook l'a décrite. Mais elle est bien gardée. Rien de surprenant si c'est là qu'ils ont enfermé Walker. Ça va être dur de tenter une approche directe, mais il y a un bâtiment avec un panneau d'affichage Liberty, à droite de la station. Si je me faufile jusque là-bas, je pourrais peut-être entrer. Ok, mais... fais attention, d'accord? Ah!
pas riche. Je suis presque à la station. Entendu. Je dois trouver un moyen d'entrer. Intérieur du centre de diffusion. Bien joué. Trouve le studio d'enregistrement. Faut franchir le toit.
Parrish, je suis presque arrivé au studio. Il faut que je parvienne à ouvrir un ascenseur. Ok, Brady. Arrange-toi pour qu'il fasse pas sortir Walker. C'est bon. Voilà le studio. Peuple de Philadelphie, cette période de violence et de désordre... Parrish, Walker diffuse encore. C'est gagné. Ok, fais-nous signe dès qu'il est avec toi. Que sur de nouveaux carnages. Les actes de la Résistance et de ses dirigeants dénotent leur incompréhension des véritables sujets qui accablent notre société aujourd'hui. Ils veulent envoyer votre famille et vos amis affronter un ennemi qui n'existe que dans leur tête. L'APC ne souhaite pas nous combattre. Elle est là pour nous aider. Simpson et son régime corrompu démontrent à quel point notre pays et ses dirigeants ont perdu de leur éclat. Monsieur le maire a malmené le peuple américain jusqu'à lui infliger de terribles attaques chimiques dans une tentative désespérée de rester au pouvoir. Si les forces de l'APC avaient surveillé de plus près ses actions, elles l'auraient empêché de commettre ces atrocités contre le peuple de Philadelphie. La Résistance voudrait vous faire croire que nous devons être libres et que nous n'avons pas besoin d'aide. Que nous devrions avoir le droit de gouverner seuls et de faire nos propres choix. L'APC nous présente justement un choix. Soit nous travaillons avec elle pour rebâtir notre grande nation et tirer un trait sur les maux qui nous ont porté préjudice, corruption, cupidité, jalousie, et nous nous redressons dans un élan solidaire. Soit nous nous embourbons dans une guerre civile qui anéantira notre pays à jamais. Croyez-vous que les terroristes et les marginaux à la tête de la Résistance offriront à l'Amérique un nouvel âge d'or ? Croyez-vous qu'ils feraient rempart entre vos familles et la menace ? Croyez-vous qu'ils seraient garants de stabilité et de sécurité pour l'avenir de vos enfants ? Ce ne sont que des extrémistes. Ils préféreraient voir l'Amérique dans les oubliettes du passé, plutôt qu'aux mains d'un gouvernement extérieur. Nous devons nous unir, non pas en tant que peuple, non pas en tant que ville, mais en tant que nation, pour travailler avec les communes... Il est plus là. C'est qu'un enregistrement. Chiotte, il faut le retrouver. Essaie de pirater leur fichier, essaie de le localiser. Et coupe-moi ce foutu discours. Nous n'y arriverons pas seuls. Alors, pitié. Je vous implore de déposer vos armes et d'œuvrer ensemble pour l'avenir. Parrish, je vous envoie toutes les données. Vous me direz si vous trouvez quelque chose. Je tiens la PC à l'écart, le temps de terminer le transfert. Ok, Brady. Cookie, commence à fouiller, trouve la position de Walker. Ok, je lance une recherche. Tout de suite, go!
piratage est terminé? Ça y est presque. Encore une minute. Ça risque d'être long, une minute. Dès qu'on aura du neuf. Roger a voulu y aller en éclaireur la semaine dernière. Il a trouvé un parcours dans les conduits, mais il est jamais revenu. Brady, je marque sa dernière position connue sur ta carte. Va voir là-bas. J'ai trouvé quelque chose. Des archives de prises ratées avec Walker. Écoutez ça. Lisez le discours, ou je tue quelqu'un d'autre. Ça en fait combien, déjà? Nos vies ne comptent pas. Notre cause est juste. Au suivant. Votre nom? Stephanie Miller. Voici la voie de la liberté. Il préfère vous laisser mourir plutôt que de lire un bout de papier. Voulez-vous mourir, Stéphanie? Non. Oh, quel dommage. Je vous en prie, lisez-le. Vous savez combien d'autres personnes attendent dehors? Toute la ville. Faudra-t-il en arriver là? Stop! Ça suffit. Arrêtez ça. Il y en a d'autres. Ils l'ont drogué, tabassé. Il s'en est pris plein la gueule. Tout est là. Ces enfoirés de sauvages. Brady, t'avais raison. On doit voler à son secours. J'aurais jamais dû l'abandonner. Je vais le sauver. C'est promis.
Parrish. Je vois la tour Apex. Je m'approche. Ok. Y a un égout pas loin. Emprunte-le et tu devrais trouver ce fameux conduit de gaz. Il te conduira à l'usine. Je suis en route. Faut que je dépasse ces patrouilles. Parrish, je suis arrivé au pipeline. Ok, on doit pouvoir entrer dans ces conduits. Ça, ça ressemble à ce que je cherche. Parrish, je crois que j'ai trouvé Roger. Il a dû se retrouver coincé là-dedans. Ok. Moi, on est fixé. Il y a des ventilos qui bloquent le passage. Je vais devoir les éteindre.
accéder au complexe en prenant par là. Je suis arrivé au complexe. Tu devrais pouvoir accéder au centre de détention en passant par le garage. Ok, je finirai par trouver. Allez, ça grouille de soldats de la PC par ici. T'es sûr de vouloir continuer ? On doit le sauver.
elles sont susceptibles de nous solliciter. Paris, je suis au garage. Je file à l'intérieur. Ok, je réclame des attaques sur d'autres positions de la PC. On va tâcher de diviser leurs effectifs. S'énerve sur les canaux de la PC. Tout le monde sait que t'es là. Je l'ai trouvé. Excellent, Brady. Il peut marcher ? Je savais que vous viendriez me chercher ! Je suis pas encore prêt à crever ! Il n'y a plus d'évacuer ! Vous êtes qui ? C'est moi, Brady ! C'est Paris, tu m'envoies ? Je suis là pour te sauver ! Brady ! Non ! C'est toi ? Bah ouais ! Nom de Dieu ! J'ai failli te buter ! Ouais, je sais. Je croyais que Paris enverrait quelqu'un pour m'assassiner. C'est ce que j'aurais fait à sa place. Disons que je l'ai persuadé de faire autrement. J'ai fait des choses horribles. J'avais pas le choix. La PC n'a pas de limite. T'imagines pas de quoi ils sont capables ! On sait ce qui s'est passé. C'est pas ta faute. On va tout arranger, mais d'abord, il faut qu'on se sauve. Ok, je suis prêt. On y va. J'espère juste que ça se passera mieux que la dernière fois. Allez, Walker, faut qu'on y aille. Comment on se taille d'ici ? J'ai pas de plan. J'improvise au fur et à mesure. Paris, on ne peut pas se tirer d'ici. On a besoin de...
T'inquiète, Brady. Coupe, prends le relais. Alors, il te plaît, mon nouveau joué, APC de mes deux. Cook, j'avais hâte de passer à l'action, Parrish. J'en peux plus de rester tout le temps enfermé. Cook, t'es un putain de héros. Ouais, je sais. Mais grouille-toi. Je vais grave attirer l'attention dans ce truc-là. C'est quoi maintenant? Randy, je me fais canarder. Je peux pas me poser. Vous devez dégager la zone. Détruisez les lance-roquettes. Ok, ok. Il y en a. Faut nous passer. Faut nous passer.
J'aurai une chance d'arranger les choses.